Clap, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons regarder ce que font les ultra riches quand ils s'ennuient. Car oui, les ultra riches font caca comme tout le monde et ils s'ennuient comme tout le monde. Quand tu as épuisé tout le fun possible, quand tu as dépensé tout ton argent, tu as 2 chalets à la montagne, 4 maisons au bord de la mer, 48 Ferrari, 12 Tesla, t'as fait des trucs de ouf dans ta vie, je sais pas, t'as été voir Michel Sardou au Zénith avec l'accès VIP, genre j'en sais rien, d'accord, chacun son délire. Bref, imagine t'as fait tout ça, c'est dimanche après-midi, t'as ton fils qui arrive. Papa, je sais que t'es blindé, me mens pas. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? C'est-à-dire? On se fait chier. On est blindé, mais on se fait chier, papa. Alors qu'est-ce qu'on fait? On a qu'à aller au parc. Mais Timothée, on va quand même pas aller au parc. C'est pour les pauvres. Mais papa, on ne peut jamais rien faire à part des tours de Lamborghini. Ça me saoule. Voilà, je parlais de ce genre de riches. Ceux pour qui les échelles ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que pour eux, acheter une Lamborghini, c'est comme acheter une console de jeu pour nous. C'est-à-dire que c'est un peu cher, ça fait un trou dans le budget, mais on va bien s'amuser, c'est ok. Tu vois, c'est ce genre d'échelle. Quoique non, il y a des ultra riches pour qui acheter une Lamborghini, ça correspond pour nous à un truc vraiment pas cher. Hein. Je sais pas, une broutille, genre un abonnement NordVPN à 3,10€ par mois. Par exemple. Voilà. Attendez une minute. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Les gens, ils vont croire que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Alors que pas du tout, pas... À moins que... Si, attendez, je crois que j'ai reçu un mail récemment. Faut que je regarde, attendez. Oh merde, ah si, en fait, c'est sponsor par NordVPN. Mais je le savais même pas moi-même, c'est quand même dingue. Alors, qu'est-ce que ça dit? NordVPN, ça sert à se téléporter n'importe où dans le monde pour seulement 3,10€ par mois. Attendez, un téléporteur à 3 balles par mois? Stylé. Ah d'accord, non, un téléporteur de connexion internet, d'accord, ok, voilà. Pour regarder des séries Netflix étrangères depuis la France, ou télécharger des jeux avant leur sortie par exemple. Franchement cool. Alors apparemment, posséder un abonnement NordVPN, c'est juste essentiel pour sécuriser sa connexion, et tout le monde devrait en avoir un. C'est vrai, en même temps, est-ce que les gens, ils laisseraient leur porte d'entrée ouverte pendant la nuit? Bah non. Est-ce qu'ils feraient de la moto sans casque? Bah non. Est-ce qu'ils mettraient leurs mains dans un hachoir à viande pour voir ce que ça fait? Non. Bon, en même temps, c'est complètement con de faire ça. On va pas se mentir. Par contre, la majorité des gens utilisent encore leur connexion sans être sécurisés grâce à NordVPN. C'est moche. Non, franchement, en plus, avec un seul abonnement, tu peux connecter jusqu'à 6 appareils. Y a pas d'excuses. Se dispose sur iOS, Android, Mac, Windows et même via des extensions Chrome et Firefox. Alors franchement, attends une minute, c'est pas fini. Y a une opération offre de pack NordVPN. En souscrivant à l'offre 3 ans, t'obtiens un abonnement supplémentaire en cadeau. Entre 1 mois et 1 an d'extension selon ta chance. Stylé. Donc là, franchement, moins 70% de réduction avec le code AMIXEM. Le lien est dans la description. Ça soutient de ouf la chaîne si vous allez checker. Merci beaucoup la famille, ça fait plaisir. Pourquoi je remercie les gens, moi? Je suis tout seul là. Les gens peuvent pas entendre vraiment ce qu'il y a dans mes pensées. Je suis con, moi. Ah si? Bon bah, abonnez-vous à NordVPN alors. Hein, et arrêtez de lire dans mes pensées parce que... Ça me met mal à l'aise. Partez, s'il vous plaît, partez de ma tête! Attention! La vidéo, c'est pas genre on va regarder des riches qui font des trucs. Non, ce sont des activités extrêmement coûteuses qui sont accessibles uniquement aux riches et qu'on savait même pas que ça existait. C'est parti! Tout seul à la Redbox. Je tiens à le préciser, je tourne cette vidéo pendant le confinement, mais j'ai rempli ma petite attestation, d'accord? Et je suis allé à la Redbox, je suis tout seul actuellement. Je ne peux contaminer personne, je ne peux me faire contaminer par personne. Loisir numéro 1. Découvrons ça ensemble, j'ai hâte en fait. Oh là 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 là. Je sais que cette vidéo, c'est déjà une bonne idée. Alors attention, c'est parfois des trailers de choses qui vont être disponibles dans quelques mois ou dans quelques années, et que si t'es riche, tu pourras le faire. Forcément, c'est à Dubaï, donc déjà, je pense que on sait à qui ça s'adresse. Hein. J'ai reconnu, c'est les îles artificielles de Dubaï, voilà, en forme de palmier comme ça. Donc du coup, on est sur une montgolfière assez badass qui emmène les passagers dans la stratosphère. Ça c'est mon rêve, hein. Franchement, je vous dis, hein. Vous le savez de toute façon, j'ai déjà dit. C'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. Combien ça coûte? Je veux savoir le prix, s'il vous plaît. Là, j'ajoute au panier instantanément. Non, parce qu'à tout moment, je suis pas millionnaire, mais j'ai quand même fait des OP pour NordVPN. Donc, il y a moyen. Ah, il va falloir que j'envoie un mail à NordVPN pour qu'ils ajoutent un ou deux zéros. Ça s'appelle 02 Infinity, il y a le site, bien sûr. Oh, yaïe. Ça me hype, hein, vraiment. 1h05 de montée, 2h d'observation et 1h de descente. Ce truc va à 30 km d'altitude. À 30 km d'altitude, t'as quand même une belle vue de la Terre. Attention, on n'est pas dans l'espace. Hein. Ça, dans quelques années, en tout cas, je l'espère, ce sera une des manières les moins chères possibles d'accéder à l'espace, entre guillemets. Ça coûte très cher pour le moment parce que c'est le tout début. Hein. Comme les drones au tout début ou les casques verts, ça coûtait une blinde. Maintenant, ça coûte... ça coûte aussi cher maintenant. Mais, enfin, vous avez compris, le prix diminue au fur et à mesure qu'il y a une demande qui augmente. Je pense que de notre vivant, mesdames et messieurs, on pourra prétendre à ce genre d'expérience. Ça, c'est un truc que j'ai envie de faire le dimanche après-midi si je gagne à l'Euro Million, je vous le dis directement. On passe au loisir suivant, incroyable.
Attention, je préviens, il y a des loisirs cool et des loisirs complètement pétés. Les portes de l'océan. J'ai très envie de voir ce que c'est. Est-ce que c'est le Titanic? Est-ce que c'est un tour en sous-marin? Ça, je l'ai fait, hein. Extrait de la vidéo, voilà, qui s'affiche actuellement quelque part sur l'écran. Bon, bon franchement, le trailer, il était éclaté. Moi, j'ai pas envie de monter dans un sous-marin d'une société qui fait des trailers aussi éclatés, en fait. Je n'ai pas envie. J'ai fait un tour en sous-marin. J'aime bien me la péter sur toutes les expériences que j'ai fait, bien sûr. Je suis très modeste comme personne. Ça a coûté une blinde, on va pas se mentir. Je pense que c'était moins de 5000 euros. Et c'était déjà incroyable. Par contre, j'ai pas été voir le Titanic comme ça. Donc, on va regarder. 90 000 euros! C'est le prix d'une maison, monsieur! On peut habiter dans ça, on peut vraiment habiter dans ça avec le terrain. Non, on peut vraiment faire beaucoup de choses avec ça. Titanic? Mais mec, mais... Par contre, je vous le dis, si j'avais 500 000 balles sur mon compte maintenant, on me dit 90, tu vas au Titanic, attention comment je suis capable un dimanche après-midi de partir directement. Bon, j'imagine que ça demande un peu plus qu'un dimanche après-midi. En fait, tu vis à travers cette expérience la même chose que dans l'intro du film Titanic. C'est exceptionnel, c'est les tout premiers plans là. Oh. Par contre, j'ai un peu peur d'un truc, petite critique. Je pense que le Titanic, tel qu'on le voit là sur cette photo, c'était ce qu'il était au moment du tournage du film, c'est-à-dire il y a peut-être 20 ou 30 ans. Mais j'ai entendu dire à vérifier que le Titanic se faisait grignoter hein, par la pression sous-marine. Et je pense qu'il est possible qu'en payant 90 000 balles, t'arrives, voilà, tu te prépares. Hein, déjà, t'as fait ton chèque, bon, t'es un peu dégoûté, tu vois. Tu descends comme ça avec ta petite famille, tout le monde est content. Peut-être qu'il reste juste un hublot. À 90 000 euros, bon, voilà, t'es au fond de l'Atlantique, c'est sympa, je dis pas. Peut-être que là, est-ce qu'on voit vraiment ça? 12 500 pieds. Ça fait quoi 12 500 pieds? Ça fait 4000 mètres de profondeur environ. C'est quand même ouf. Ils sont incroyables les activités périscolaires de riches là. Genre je m'attendais pas à un level aussi fou que ça. Loisirs de personnes aisées suivant. Cours privé. Quoi? Mais c'est hyper original. Cours privé de guitare avec Bruce Springsteen. Quand pardon, ça coûte 3 balades Titanic. Un cours de guitare ou 3 promenades au bord du Titanic, le vrai, celui qui a coulé. Ou alors un cours de guitare. Ou alors 3 fois une expérience ultra épique que quasiment aucun être humain n'a fait. Ou... un banal cours de guitare. Le programme de la journée, qu'est-ce que comporte ce cours de guitare? On rappelle que pour le même prix, vous pouvez faire... 3 visites du Titanic! Une matinée et une après-midi avec Bruce. Alors, Brusso, il est avec toi, il te fait le petit-déj, bah là, bien sûr. Ah, mais il t'épluche ta clémentine à ce prix-là, il n'y a pas de problème. Des cours d'apprentissage, vol compris. À aucun moment, j'avais réfléchi au fait qu'il pouvait y avoir un vol vu que c'était un cours de guitare à la base. Mais c'est ok. Hôtel 5 étoiles avec transfert privé, CD dédicacé. Moi, j'imagine bien qu'à ce stade-là, tu peux bien taper ton petit selfie. Le selfie n'a pas l'air inclus, hein. Je pense que le selfie, on est sur 50 000 de plus. Trulli Experience. Qu'est-ce que c'est que ce site? Waouh! Mais c'est incroyable! Pourquoi nous adorons ça? Non, mais attends, mais je trouve ça horrible parce que ça joue sur le côté fan des gens. Ouais, c'est super prétentieux ce que je vais dire. Je m'en bats les couilles. Je sais très bien que si je propose quelque chose, genre par exemple, si je vendais des autographes ou des trucs comme ça, et je le vends très très cher, il y a forcément, statistiquement, des gens qui vont l'acheter très cher, c'est obligé, parce qu'il y a forcément des gens qui ont de l'argent parmi vous. Et donc c'est jouer sur cette corde-là, et il y a quasiment que les Américains qui le font. Si tu le fais pour une cause genre caritative ou des trucs comme ça, là c'est ok. La personne qui est capable de payer beaucoup, bah c'est cool, elle le fait, elle peut le faire, elle a un truc sympa en échange, et c'est pour la bonne cause. Mais là j'ai pas l'impression que c'est pour la bonne cause, j'ai l'impression que c'est pour gagner un maximum d'argent. Pardon? Attends... Non, un échiquier ne peut pas et ne doit pas coûter l'équivalent de 3 cours de guitare avec Bruce Springsteen. Ça n'est pas possible. 30 artisans ont passé près de 4500 heures à le faire. 186 carats. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, j'imagine que oui. En fait, je trouve qu'il y a un truc marrant à faire avec cet échiquier. Parce que les parties d'échecs, ça peut être un peu chiant. T'as un pote riche comme toi, tu l'achètes à deux, 300 000 chacun. Les pièces que tu prends pendant la partie, tu le gardes. Franchement, ça, c'est un bon délire de riche, quoi. Dimanche après, viens, on se fait partie d'échecs, mais les pièces coûtent 15 000 balles. C'est marrant, ça, non? Attendez une minute. J'ai oublié de demander aux gens de laisser un petit pouce bleu, un commentaire et un petit abonnement si c'est possible. Alors bien sûr, je sais que la majorité des gens sont déjà abonnés, mais j'ose pas demander, voilà, ouvertement comme ça aux autres de s'abonner, de laisser un pouce bleu et un petit commentaire. Franchement, ce serait sympa. Merci. Je préfère le dire dans mes pensées, comme ça c'est moins dur. On continue la vidéo. C'est encore un truc de sous-marin. Moi j'adore les trucs de sous-marin, hein. Y a pas de problème. J'espère que c'est moins cher. Là ça a l'air réel. Bon, par contre c'est monté sur iMovie, ça suffit quoi. Ah oh, par contre il est stylé. Parce que celui que j'avais fait, c'était un petit hublot comme ça. C'était une sorte de cabine téléphonique, t'étais allongé comme ça, là. J'avais le cou en sang à la fin. Là il a l'air incroyable. Oh, enfin c'est vraiment des barres ça par contre. J'ai vraiment envie de le faire, j'ai trop envie de savoir le prix. Ah par contre ça se voit que c'est pas le Titanic, hein. On est plutôt sur un navire marchand un peu nul qui a sombré il y a 200 ans quoi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, je vous pose la question dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je refasse des vidéos drones sous-marins? Parce que j'en ai fait, j'ai adoré ça. Et une fois que le confinement sera terminé, est-ce que vous voulez que je reprenne un ou deux épisodes sur des épaves un peu stylées? Parce que moi, j'ai trop envie, mais j'ai envie que ça vous plaise aussi, tu vois. C'est... Elle est nulle, la vidéo, putain. Film Corporation, bah c'est de la merde, hein. Ne faites pas appel à cette entreprise. Alors, c'est combien?
Ah d'accord. Ah pardon, attendez, non, mais là je suis passé par plein d'émotions là, je... D'accord. D'abord j'ai vu 900 000 euros, je me suis dit, c'est de l'arnaque. Et après j'ai compris que c'était pas le prix de l'expérience, c'était le prix du truc. On vient pas de voir une vidéo pour aller faire un tour de sous-marin, on vient de voir une vidéo qui vend un sous-marin. Ah non, par contre, pardon, j'ai pas vu le petit 1 devant, on est vraiment sur 1 900 000 euros. Waouh, mais il est incroyable par contre. Ah ouais, par contre, évidemment, t'as un yacht avec quoi. C'est pas genre juste t'as un sous-marin et tu le sors le week-end, non, non. C'est t'as un yacht et le sous-marin c'est un truc en plus. Models. Oh là là, je prends l'option avec la clim, moi, direct. Oh, le petit jeune, il est sympa, non? Moi, j'aime bien les comme ça, on dirait vraiment le vrai sous-marin, quoi. Oh, what the fuck? Mais mec, s'il te plaît, il y a un salon pour boire l'apéro dans celui-là. Tu peux être 13 dedans. Oh mec, mais par contre, mais franchement, être riche, ça doit quand même être cool. Tu peux voir ça, là. Tu peux aller sous la glace, genre. Ah ouais, mais il y a des gens, ils sont dans un level différent, en fait. Mais c'est des barres absolues, mais vraiment, genre, l'intérieur du truc, c'est insane. Ça m'en fout, je le veux. Non, je l'aurais jamais. Hein. Mais genre vraiment, du coup, les riches, ils vont sur ce genre de site et ils font ajouter au panier livraison 24 heures ou pas? Ou est-ce que quand même, faut attendre un peu, quoi? Tu peux aller jusqu'à 1700 mètres de profondeur? Mais... Je vais passer au loisir suivant, s'il vous plaît. Ça, dès que ça touche à ça, ça me... Pff, c'est incroyable, ça. Oh là là, dès que ça touche aux dirigeables, j'ai déjà expliqué ma passion pour les dirigeables, est-ce que je recommence? Oui, j'adore les dirigeables, je trouve que c'est un très beau moyen de déplacement. Peut-être que l'avenir du fret, c'est par dirigeable, parce que les dirigeables consomment très peu pour se déplacer, et donc c'est potentiellement l'avenir. Là, actuellement, c'est pas pour transporter des marchandises, hein, c'est pour transporter des gens très riches. À bord d'un dirigeable, bientôt le tourisme propre et silencieux. Sûrement le vol le plus excitant après celui dans l'espace. Je suis d'accord. D'ici quelques années, on pourra atteindre le pôle Nord sans bruit et sans polluer. Ah d'accord, c'est seulement 35 heures pour aller au pôle Nord, mais d'accord, mais... Moi, j'ai mis une semaine pour y aller au pôle Nord, t'es rigolo, toi? Oui, alors oui, j'ai été au pôle Nord. Oui, ça aurait pu apparaître dans les loisirs de riches. Sauf que c'était un bateau de l'URSS qui était pas vraiment très confortable. Mais c'était quand même stylé. Pour ceux qui n'ont pas vu la série où nous sommes partis au pôle Nord avec Cyril, je vous la conseille fortement. Elle est dans la description, si on n'a pas oublié. Il y a plusieurs épisodes. J'ai eu la chance infinie de faire ça et on a tout retranscrit en vidéo. N'hésitez pas à aller voir, vraiment, c'est... La série à regarder en confinement, vraiment, j'en suis très très fier. Alors, on n'a pas encore fixé le prix, mais il sera l'équivalent des tarifs les plus élevés de croisière arctique, soit entre 20 000 et 30 000 euros. Donc, en fait, ça coûte pas plus cher que la croisière que j'ai fait actuellement, qui coûte près de 30 000 euros, hein, voilà. Super. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Oh, j'avais déjà vu ça! Ah oui, d'accord. Ah, il faut pas faire tomber le sel, là, parce qu'en fait... Moi, j'imagine, en fait, le repas du midi avec ma fille, où elle fait absolument tout tomber, et elle jette les choses par terre, et elle dit « Tomber !» Sauf que là, il y a vraiment 60 mètres de vide, quoi. Donc papa, il peut pas aller ramasser la cuillère, vraiment. Ça n'est pas possible. En fait, la majorité des loisirs depuis le début, je suis un peu jaloux, j'ai un peu envie de les faire, en fait. Celui-là, je vois pas l'intérêt de manger accroché à un baudrier. Combien ça coûte, je veux savoir le prix? 1000 euros par personne? Mais c'est français, ça! Non, mais c'est un peu cher, les gars, non? 1000 euros par personne? En plus, c'est des chaises gaming, quoi, s'il vous plaît, quoi. Non, mais voilà, moi, je viens manger chez vous pour me dépayser, je retrouve quoi, une chaise gaming? J'ai envie de faire un live. Il y a combien de personnes qui peuvent s'asseoir à la table pour savoir un petit peu combien ça rapporte, là? Ouais, moi, je suis très business model, retour sur investissement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà, 11 fois 2, 22. Oh putain, c'était dur ça. 22 personnes, 22 000 euros la table. Ça dépend ce qu'on mange, hein, bien sûr. Hein. J'imagine, j'ai vu dans le trailer que c'était les grands chefs. En fait, c'est ça qui m'intéresse le plus, ouais, c'est manger des bons trucs. Ah ouais, d'accord, il y a la cuisine au milieu, des bars. Non, par contre, franchement, je trouve c'est stylé. Mais la grue, c'est moche, quoi. Alors, je sais pas, suspendez-moi ça en dessous de la Tour Eiffel, faites un truc stylé, mais là. Il y a des associations qui ne peuvent pas marcher dans la vie, je trouve. Voilà. Cuisine française, chef étoilé, baudrier. Non, franchement, regarde. T'es là, t'es sur un monument historique, tu m'as même foutu une vieille grue, et puis des petits fours, et puis un baudrier sur le meilleur ouvrier de France. Faut arrêter les conneries. Puis les chaises gaming, enfin franchement les gars. Non, les chaises gaming, non. Non, il y a trop d'incohérences, je comprends pas. Ah, puis tout le monde te regarde, quoi, sérieux. T'es attaché pour manger, c'est étrange. Non. Bon, bah je valide pas cette activité. Maintenant, je suis quand même content que ce soit une société française. Si vous passez par là, Dinner in the Sky, je veux bien quand même manger suspendu. Gratuitement, hein, bien sûr. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Je veux bien tester l'expérience, voilà, pour changer d'avis. Mais par contre, vous me cachez la grue, quoi. Suivant! Vol en jetpack dans le sud de la France, 72 000... Ah, quand même. Sérieux? Alors, c'est beaucoup trop cher. 75 vols de formation, mais attends, quoi? Attendez, dans GTA, faut juste taper un cheat code, et là, t'es en train de me dire, faut payer 75 000 euros? Ils ont vraiment inventé un putain de jetpack. Après, s'il est accroché à une poulie, ça compte pas, les gars. Je paye pas 75 000 euros pour faire de la tyrolienne, on est bien d'accord. Non, mais les gars, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, mais respectez-moi un minimum, là. Je veux dire, merde, à la fin. Vous me faites une pub à 75 000 balles pour un jetpack, il a accroché à une poulie? Ouais, j'ai fait de la tyrolienne, en fait! À 75 000 euros! Bon, alors, c'est-à-dire que là, encore une fois, tu fais de la tyrolienne.
alien. Et pour ce type-là, tu es une sorte de cerf-volant, en fait. Dans l'histoire, c'est lui qui s'amuse, hein, c'est pas toi, hein. Non, mais sérieux, mais faites du paramoteur, ça coûte moins cher. Grâce à ce vol en jetpack au Castellet dans le sud de la France. Après, moi, je trouve ça super stylé. Vraiment, voilà, je fais des vannes, encore une fois, je critique. Mais vraiment, je suis très fier qu'il y ait ça en France, c'est trop cool, quoi. Prenez-vous pour James Bond dans l'opération Tonnerre, voire même Superman ou Iron Man avec la seule et unique offre sur le marché au monde pour voler en jetpack. Imagine que la poulie était là, évidemment, pour l'entraînement. Dans le but final d'effectuer des vols complets sans être relié au câble de sécurité. D'accord. Ok, une expérience plus que hors du commun, bientôt disponible, je peux pas ajouter au panier. Ah ouais, par contre, c'est pas juste un vol en jetpack, c'est toute une formation. D'ailleurs, ça justifie plus le prix, d'accord. Pour le coup, c'est vraiment un truc où faut se faire chier et avoir beaucoup d'argent. Il y a deux conditions, c'est obligatoire. Mais non. Oh. J'achète. Non, oh, dommage. NordVPN, ça vous dit? Falloir juste qu'on discute du budget, c'est tout, si ça vous dérange pas. Non mais vraiment, faut que vous vous rendiez compte que le pôle Nord, c'est déjà quelque chose d'extrêmement inaccessible, mais ça reste accessible. Le pôle Sud est vraiment un des points les plus impossibles à rejoindre de la planète Terre, c'est complètement fou. Déjà, faut pas oublier que l'Antarctique, c'est un continent de terre, recouvert de glace, alors que l'Arctique, c'est de la banquise, ça flotte sur l'eau, d'accord? Ce qui fait que selon les saisons, le pôle Nord, bah la glace fond, surtout en ce moment, et du coup, les brises-glaces peuvent aller jusqu'au pôle Nord. Le pôle Sud, ça n'est pas du tout le cas, car de toute façon, en dessous, il y a de la terre. Donc du coup, tu ne peux pas y aller, tu es obligé d'y aller en marchant ou en roulant, mais bon, il n'y a pas de route, donc tu y vas en avion. Enfin, c'est complètement fou, franchement, c'est complètement fou. Et le climat là-bas, c'est extrême, mais as fuck, quoi. 75 000 euros pour 9 jours, un peu cher. Pour que je puisse un jour réaliser un de ces loisirs de riches, là, tout ce qu'on vient de voir, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, mais aussi en cliquant sur le lien dans la description et en souscrivant à un abonnement NordVPN. Ça soutient la chaîne. Parce que du coup, NordVPN, bah du coup, après, ils voudront bien retravailler avec moi. Voilà, ils me donneront plus de sous. Voilà, si je mets un petit peu de côté, peut-être que je pourrais m'acheter un sous-marin. Non. Merci beaucoup, NordVPN, d'avoir sponsorisé cette vidéo, bien évidemment. J'espère que celle-ci vous a plu. J'espère que cette thématique de vidéo réaction vous a plu. On se dit à bientôt, hein. Bon confinement à tous. Je retourne chez moi, de manière un peu seule et un peu triste. Oh, la Redbox est très triste en ce moment. Hein. Bah non, on se fait chier. Bon, bah, salut. Buscavida.